n'est pas jumelle. Mais ça ne nous empêchera pas d'être triste et nous au moins, on ne nous confondra pas. Je trouve que les jumeaux sont rares et ça fait vendre quoi. Qu'elles soient artistiques, bon bah c'est très bien parce qu'il peut faire du passe-passe et puis un jumeau se cache et puis l'autre arrive et c'est très bien comme ça. Mais point de vue travail, eh ben, ils peuvent travailler un jour sur deux. Souvent aussi les jumeaux, ils sont attirés par les mêmes choses, donc s'ils peuvent s'épanouir dans une même passion, c'est bien pour eux. Plus tard, il y aura peut-être de la concurrence entre les deux et là, c'est pas forcément génial. C'est bien d'avoir un jumeau ou un triplé parce qu'on a les mêmes goûts, les mêmes passions surtout. Et nous, si on devait faire quelque chose, on chanterait. Bah, ça peut être intéressant dans le sens où c'est des personnes, ils n'ont pas besoin de se parler forcément pour comprendre un peu les choses. Mais nous, on aime bien les jumeaux qui font des numéros d'artistes parce qu'on est nous-mêmes jumeaux. Et on fait des numéros d'artistes, des démonstrations. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui rêvent de devenir célèbres. Ils veulent être chanteurs, mannequins, danseurs, jongleurs ou encore ventriloques. Mais surtout, ils ont une particularité, ce sont des jumeaux ou des triplés. Et c'est ensemble qu'ils veulent faire carrière et ça, c'est leur choix. Ils vont donc se produire devant vous lors d'un concours tout à fait amical. À vous donc de désigner les jumeaux ou les triplés qui vous auront le plus convaincu lors de leur prestation. Et pour diriger ce concours, eh bien, je vous demande d'accueillir très très chaleureusement notre Miss. C'est notre Miss et mon choix, Anna. Voici donc Anna, Miss et mon choix. Élue lors d'une précédente émission pour représenter le public de C'est mon choix. Anna, je rappelle que vous avez 25 ans, que vous êtes assistante dans l'industrie pharmaceutique, je vais y arriver, et Miss C'est mon choix quand vous venez à l'émission. Vous allez donc tout au long de l'émission nous donner votre avis sur les talents que nous allons voir se défiler devant nous sur le plateau. Moi, je voudrais savoir en quoi vous pensez qu'être jumeau ou triplé, c'est un avantage pour faire carrière. Des avantages à être jumeau. À deux, on est plus fort. Oui, l'union fait la force. Oui, on français. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. Venez vous asseoir, Anna. Je vous propose d'accueillir tout de suite deux chanteurs. Ils sont jumeaux. Il s'agit de Jérôme et de Gilles. Leurs deux danseurs, vous allez le voir tout à l'heure, sont également jumeaux. Ils vont nous interpréter deux chansons sur la gémellité, dont une qui est intitulée Tout un programme différent et qui a été écrite par Pierre Palma. Je vous propose de les écouter tout de suite. Simple complicité, duo pour l'amitié. C'est vrai qu'on se ressemble, duo, ne jamais s'oublier. Duo éternité, pour toujours être ensemble. Peut-être un jour tu partiras, la vie est si cruelle. Peut-être demain tu me quitteras pour faire ta vie avec elle. Mais nos cœurs seront toujours liés, rien ne peut nous séparer. Nous sommes si fiers d'être jumeaux, nous sommes si forts dans ce duo. Quand on confond nos prénoms, mais dans le fond c'est marrant. Les tours qu'on joue aux passants, c'est ça qu'il aime faire semblant d'être moi quand je suis lui. Tout le monde, hey! On vit pas la même histoire, ça peut sembler bizarre. Par hasard, oh,
semblait bizarre. Regardez nos regards, y'a pas les mêmes espoirs, pas les mêmes rêves de gloire. L'un dit blanc, l'autre noir, on se sent par hasard. Oh, 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 oh. On se sent par hasard. Avec nous. Ça peut sembler bizarre. Regardez nos regards, y'a pas les mêmes espoirs, pas les mêmes rêves de gloire. L'un dit blanc, l'autre noir, on se ressent par hasard. Jérôme Gilles, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Bravo à vos danseurs qui sont jumeaux. Merci, ici. Jérôme Gilles, bonjour. Jérôme, vous avez 29 ans. C'est... D'abord, qui est Jérôme ? Alors, je suis Jérôme. Vous ne faites pas de feinte, là. Hein. Non, non. Jérôme, vous avez 29 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant. Gilles, bah, tout pareil, sauf que vous appelez Gilles. Sauf les dates de mariage. Oui. C'est... Ah bon ? Oui, on a essayé de faire une différence, oui. Moi, je voudrais savoir, avant qu'Anna nous dise un petit peu ce qu'elle a pensé de... C'est quoi votre nom de scène ? Alors c'est tout simplement les jumeaux. Les jumeaux ? Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment. Ils peuvent pas se tromper les gens. Mmh. Ouais. Anna, qu'est-ce que vous avez pensé de nos jumeaux alors ? Bah moi je trouve que c'était émouvant. C'est dans le regard. Ils se regardent. On est fort. On est deux. Mais j'ai une petite question quand même à poser. Le fait que vous, je pense que ce soit pas trop indiscret, mais le fait que vous vous soyez mariés à la même période ou non non, c'est espacé ? Ouais ouais, de deux ans. De deux ans ? Deux ans d'écart. Ouais. Ça a été non. poussé naturellement, donc c'est pas le oui, fait que... Oui, non, non, mais nous, on a le principe d'être, dans notre vie professionnelle, vraiment tout à fait, on joue la carte les jumeaux, puisque c'est notre métier, au niveau aussi marketing, c'est mieux, parce que les gens aussi, ils ont une idée très précise de ce qu'on fait, pas besoin de présentation, c'est les jumeaux. Mais après, on a deux vies différentes, privées, qui sont complètement... Et ça, on y tient beaucoup. Par contre, quand on signe les autographes... C'est vrai que ça, on y tient aussi. Oui. On essaie de marquer notre propre prénom. Moi, Gilles et Jérôme, on ne marque jamais les jumeaux. Parce qu'on essaie de différencier notre propre identité. Parce que bon, les jumeaux, d'accord, mais c'est plus sympa de marquer Gilles d'ailleurs, et Jérôme. Les gens le veulent. Il y en a un qui a plus la cote que l'autre, non ? Oh, c'est moi. Anna, un petit mot sur notre duo ? Non, c'est super. Ils vous ont plu ? Mmh, oui, vraiment beaucoup. Bon, écoutez, c'est notre premier duo. Ils font donc partie de notre concours tout à fait amical entre jumeaux ou triplés. Et à présent, nous allons accueillir nos prochains invités. Vous allez voir qu'eux sont mannequins, eux et elles. Ils vont défiler et elles vont défiler devant vous en tenue. Merci d'accueillir Sandra, Karine, Rémi, William et Vincent. Merci, Lucas. Thank you.
des jumeaux, des triplés qui défilent ensemble, qui sont mannequins. Est-ce qu'on peut recomposer les jumeaux et les triplés? Alors, Sandra et Karine, nos deux jumelles, et puis nos triplés. Merci d'ailleurs de revenir à nouveau dans ces manchois, mais cette fois en tenue pour défiler. Comment vous les trouvez, Anna? Super, ils sont tous jolis. Concernant les filles ou concernant les garçons, vous sauriez les différencier, Anna? Très difficilement. Est-ce que vous voyez, par exemple, sur Sandra et sur Karine, une petite différence? À part la robe, qui n'est pas tout à fait pareille, mais bon. Non, c'est vraiment très difficile de les différencier. C'est vrai qu'on a tendance à plus facilement différencier les filles, mais les garçons, c'est très difficile de les différencier. Vous n'y voyez que du feu? Rien. Ils sont très, très semblables, nos triplés. Ils sont très, très épatants. Allez donc vous asseoir, tous les cinq. Merci. C'est vraiment un moment inoubliable. À chaque fois qu'on reçoit des jumeaux, des triplés, quand ils s'assiedent dans les fauteuils, absolument, c'est épatant. Vraiment, c'est d'abord, ils sont assis pareils. Regardez les filles, elles sont. Vous avez remarqué ça, Anna? Exactement. Regardez un petit peu nos chanteurs, nos jumelles aussi. Rémi, William et Vincent, il manque plus que les mains croisées au milieu, c'est bon là. Hein. Non mais si c'est pas votre choix, vous le faites pas. Sandra et Karine, tout d'abord, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire. Oui. Sandra, vous êtes comptable. Qui est Sandra? C'est moi. C'est vous. Oui. Karine, vous êtes commerciale. Oui. Vous ne faites pas le même métier et vous voulez devenir mannequin. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire carrière ensemble? Mais en fait, le milieu artistique nous a plu dès le moment où moi j'ai beaucoup aimé le monde de la photographie. Mm-hmm. Donc, comme je n'avais pas de modèle, je photographiais Sandra. Et après, à partir de là, le monde de la mode, m'a plu. Et pourquoi ensemble? Parce que nous, on fait tout ensemble, donc on s'est dit ça, on continue, on le fait ensemble. Hein. À vos côtés, il y a Rémi, William et Vincent. Bonjour. Qui est Rémi? Moi, j'arrive jamais à vous différencier. Rémi, William et Vincent. C'est dans l'ordre, hein. c'est pratique. Vous avez 23 ans. Voilà. Vous êtes tous les trois célibataires, tous les trois étudiants, et vous voulez également être mannequin, c'est ça? Ensemble. Vous avez déjà défilé tous les trois? Est-ce que vous avez déjà défilé tous les trois? Oui, ça nous est arrivé. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Il y a tout le temps... Non, c'est-à-dire que... Non, mais enfin, il y a tout le temps une chose qui se passe, c'est qu'il y a tout le temps un meneur. On en revient un peu pour même... Ouais, on va dire que c'est moi, ouais. Donc on va dire que... En général, c'est celui qui parle en premier, non? Hein, c'est ça. Voilà, ouais. Ça dépend, en fait, hein, parce que... Ah. Vincent, je suis pas content, Vincent, c'est le rebelle. Non, pas du tout, non. Là, on vit en Europe. Si on vit en Afrique, le meneur, c'est celui qui parle en dernier. C'est en le fait. Sage, en fait, c'est celui voilà, qui parle en dernier. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, vous vous adaptez voilà. au continent. Anna, qu'est-ce que vous avez pensé de nos jumelles et triplés mannequins? Ben moi, j'ai une question à poser aux triplés. Le fait, bon, je présume qu'on vous l'a déjà posé auparavant, mais le fait que vous soyez à trois, il n'y a pas une petite équipe à deux? Il n'y a pas deux jumeaux et un tout seul? C'est vraiment une fusion totale? Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de groupe. Si un groupe, c'est relatif, ça tourne en fait. Ça peut être Vincent et Rémi contre moi. Ça tourne en fait, ça, hein, ça c'est tourne, ça. C'est comme une balance en fait. Je pense qu'il y en aura un qui sera au milieu. C'est qui fera le point d'équilibre en fait. Et là aussi, c'est ensemble ou rien ou... Oui, ensemble ou rien vraiment. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est ensemble. Non, je disais, c'est bien, ensemble ou rien. Tout seul, moi, jamais rien. D'accord. Frédéric, bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes marié? Récemment marié, oui. Toutes mes félicitations. Félicitations. Yves, vous avez également 35 ans, bien sûr. Vous êtes, vous aussi, marié? Oui, tout à fait. Récemment aussi? Non, il m'a devancé. Hein. Oui. Il a une avance de 6 ans sur moi. Et un bébé aussi, hein? Et un bébé, ouais, de 3 ans. Que j'embrasse très fort, Alexis. Et moi, j'en ai un en route, hein, pour fin décembre. Pour fin bravo décembre. Pourquoi est-ce que vous voulez faire carrière ensemble? Pourquoi? Mm-hmm. D'une part, on aime chanter et on est jumeaux. On s'est dit, pourquoi pas associer les deux? De bonnes raisons. Oui, puis bon,
On aime ça depuis qu'on est tout petit. C'est vrai qu'on a toujours aimé chanter, danser. Donc c'est vrai qu'on a la même passion. Vous chantiez devant maman? Oui, oui, même à l'école, pendant les intercours. C'est vrai qu'on a toujours été un peu les bouts en train. Et c'est vrai qu'on a la même passion et on est jumeaux. Donc on fait ça vraiment avec plaisir. Mm-hmm. Et on est tout à fait complémentaires. Donc, on se complète dans la voix, en fait, et c'est bien. On voit que vous avez beaucoup d'humour pour reprendre aussi cette chanson des Blues Brothers. Est-ce que vous jouez de ça dans la vie? Est-ce que votre gémellité, c'est quelque chose qui vous pousse à faire des blagues, des tours? On en joue sans trop en jouer. On dirait qu'on est même trop sage. Parce que... Non, ça, bon, on en non, mais sur c'est vrai que dans la vie, les gens s'imaginent qu'on... Quand on était jeune, qu'on ait pu faire aller des coups avec les filles, tout ça. Non, nous, on était vraiment sages. C'est vrai, c'est ensemble. Non, il y a une fois, je l'ai remplacé, mais c'était pour un tournoi de tennis. Non, achou, achou. Non, non, c'est vrai. Il était convoqué à un tournoi, à d'autres tournois différents, à la même heure. Donc là, je l'ai dépanné, en fait. Et j'ai gagné. J'ai gagné, heureusement. Autrement, il m'aurait... Merci, mon père. Mais non, mais c'est vrai, pour revenir à votre question, parce que bon, on est une famille de trois paires de jumeaux jumelles, et les grands jumeaux en ont un trois petit peu... Oui, on a oui. deux frères jumeaux et deux autres sœurs jumelles. Non. Et on passe bonjour à la maman étoile qui est-ce que vos frères et sœurs veulent faire aussi carrière dans le showbiz? Alors, c'est un peu paradoxal. Sinon, il fallait nous emmener, hein, la famille, à 6, là. On y a pensé, mais ils sont tellement timides. On les a mis en pot parfois, on leur a dit, écoutez, si un jour on vous demande de tous venir, mais ils sont un peu timides. Mais timide. C'est un peu paradoxal, parce que nous, on est les petits jumeaux, les grands jumeaux ont 50 ans, et eux et ont été bercés. Et les jumelles sont 45 ans. Et l'un des jumeaux, il adorait chanter My Brand, et nous, on a été bercés mais par My Brand. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une famille de 6 jumeaux? Ça doit être bizarre. Non, attendez, il y a 6 jumeaux jumelles, mais il y en a 6 autres, on va dire, à la pièce, quoi. On est vous êtes 12, 12? Non, c'est vrai? 12 enfants. 12? Toutes mes félicitations à votre maman. C'est... Donc elle a pas reçu de médaille pour tout ça? Ouais, alors, sans compter les fausses couches, parce qu'il y avait encore une fausse couche de jumeaux, on aurait dû être 4 paires. Est-ce que les 3 paires de jumeaux s'entendent mieux, forment un clan par rapport aux oui, autres oui, frères oui, et sœurs oui, qui sont oui, tout seuls? Oui, moi, je oui pense parce que bon, même les jumeaux, ils ont toujours travaillé ensemble sur les marchés. Donc nous, on travaille ensemble. On y a toujours quand même... On a plus d'affinité avec les frères jumeaux. Mais bon, on s'entend bien avec les sœurs aussi. Mais c'est vrai qu'entre jumeaux, on s'entend bien. Et votre maman, elle arrivait à s'en sortir? Parce que si vous ne faisiez pas des blagues à votre maman au début pour non, vous différencier? Non, on en a été trop sage. On lui a beaucoup facilité la tâche. Déjà qu'elle avait beaucoup de travail, la pauvre, donc on la remercie d'ailleurs, on en profite. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'elle a tellement donné pour nous que maintenant, c'est vrai qu'on la bichonne maintenant. En plus, on est les avant-derniers et on est très, très proche de notre maman. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le plateau qui faisaient des blagues quand ils étaient petits ou petites aux autres ou à maman pour s'interchanger ou... Oui, c'est notre mère qui faisait des blagues aux autres dans la mesure où elle... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous déguisait, pareil, tous les trois, donc au carnaval. Elle nous déguisait en tant que trois mousquetaires, trois petits chats, Riri, Fifi et Loulou. Donc voilà, je tiens à la féliciter pour le travail qu'elle a fait aujourd'hui. Jérôme, Gilles, Sandra, Karine, est-ce que vous faisiez des blagues comme non. ça? Nous, non, jamais. Non, jamais. Les filles, elles ont été sages. Oui, attends. Même avec les garçons. Oui. Jérôme et Gilles. Nous, pareil, hein, très sage. Oui. Dit-il en rigolant. On n'a jamais fait de blague. Hein. Si, à 17 ans, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? C'est le jeu d'action et vérité. C'est vérité, là. C'est quoi, c'est quoi? Non, à 17 ans, on avait deux petites copines, mais de vacances. Et puis, on j'aime s'est bien dit, le deux vacances. Oui, oui, mais bon, c'était... Et puis, lors d'une soirée, on a voulu s'échanger totalement les amis parce qu'on ne s'habillait pas pareil. Alors, ça fait que je me suis changé en Jérôme et... Et moi, Gilles. Hein. Voilà. Et donc, alors après, elles ne nous ont pas reconnus. Elles ne nous ont pas reconnus. Et on leur a dit, parce qu'on n'est pas... on est très, on est très, avec très honnête avec les filles. On leur a dit la vérité. Voilà. Avant ou après? Après. Quand même, vous avez été un peu malhonnête pendant. Ouais, elles ont réagi comment? C'était rigolo. Ouais, 2 minutes. Ouais. Elles... On était jeunes, il y a prescription. Maintenant. Elles n'ont rien dit? Ils ont fait une drôle de tête, quand même. Anna, on vous aurait fait ça une fois. Vous imaginez rencontrer des jumeaux, sortir avec l'un d'entre eux et on change comme ça? Comment vous auriez réagi? Ça m'est déjà arrivé. Non. Si, ça m'est déjà arrivé. Racontez-nous mais ça. Mais c'était pas très, très grave. En fait, j'attendais quelqu'un. En fait, j'attendais mon petit copain à la station de métro. Donc, je descends après les cours. Je suis toute contente en le voyant. Et vraiment, j'avais pas vu la différence. Donc, j'arrive vers lui. Bonjour, bonjour. Et puis, finalement, il a pas été sérieux. Donc, il m'a regardée. Et puis, il se retenait pour rire, pour dire, bah non, finalement, c'est pas moi.
Et là, je l'ai vu, bah, en fait, ça m'a... J'ai pas trop aimé, non. Non. Vraiment, non, non, non. Je me suis sentie un peu... Un peu lésée, un peu trahie. Oui, trahie. Et puis, je me suis dit, mais tiens, finalement, vu que j'ai pas eu beaucoup de petits copains, donc je me sentis un petit peu mal. Mm-hmm. Mal, tout simplement. Bon. Mais... Attention à ce que vous faites avec les filles. Alors, mais maintenant, il y a prescription, n'est-ce pas? Alors, nous allons accueillir nos prochains invités. Eux sont ventriloques, ils sont jumeaux et évidemment, ils font parler des jumeaux. Nous allons voir ce que ça donne tout de suite dans un sketch de Michel et de Bernard. Salut, bonjour. Ça va? Oui, et toi, ça va? Ah ouais? On est venus pour chanter, hein. Tu crois? Oui, ils ont tous chanté, alors. Ouais. Tu commences? Je commence. Non, non, c'est toi. Ah oui, c'est moi, l'aîné. Ah oui, c'est l'aîné, lui. Alors, c'est pour ça qu'il commence toujours. Hein. Voilà. Moi, je suis la doublure. T'es qui, toi? La doublure. La doublure. Ah oui, c'est vrai, c'est la doublure. Quand je suis malade, il remplace. Voilà. Ouais. Et quand il... N'importe quelle maladie. Hein. D'ailleurs, il a tout eu après lui. Hein. C'est vrai. Hein. Oui. Oui. Quand t'as eu la jaunisse, j'ai eu la jaunisse. Ouais. Quand t'as eu la rougeole, j'ai eu la rougeole. Et quand j'ai eu la varicelle, t'as eu la varicelle. Pourquoi t'as pas eu? J'ai failli le douton. Pourquoi t'as pas eu les boutons? Eh oui, parce qu'une doublure, elle a pas de bouton. J'ai pas compris. La doublure, elle a pas de bouton. Ça y est, attends, il est sourd, ton singe. Ah, ça y est, voilà. Oh là là, c'est vrai. Alors du coup, on s'est associés. Alors. Et on chante, voilà. On chante une chanson. Vous voulez l'écouter? Oui, oui. Ouais. Super, musique, s'il vous plaît. Alors, tu chantes, alors, hein? Oui, je chante, je chante. Et lui, il chante aussi? Oui, c'est toi qui commence. Ah, pas, non. Il est né par hasard, je cherchais une idée. En flânant dans un bazar, c'est là qu'on l'a rencontré. Posé sur un étalage, dans un carton d'engrenage, sans vie, sans voix et sans âme. En plus, ils étaient en réclame. Moi, j'étais en solde, en solde. C'était en février, un dimanche matin, qu'on les a rencontrés. C'est vrai? À la Saint-Valentin. C'est à sûr. Toi. C'était en février, le 14 au matin, qui nous ont baptisés du nom de Valentin. Tu chantes toi encore? Oui, toi. Quand je me suis approché, je l'ai bien regardé. Je lui ai tendu la main. J'avais trouvé un copain, un vrai copain. Posé sur un l'étalage, dans un carton, dans un emballage, sans vie, sans voix et sans âme. En plus, on était en réclame, en solde. C'était en février, un dimanche matin. Que je t'ai rencontré à la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin. Depuis au fil des ans, nous faisons le même chemin. Pour nous, ils sont vivants, ils ne seront plus des pantins. Merci. Michel, Bernard et les Valentins, alors, oui, c'est ça? Oui, les Valentins. Vous pouvez aller vous asseoir, merci beaucoup. Gauche, droite. Alors Anna, est-ce que vous aviez déjà vu des ventriloques jumeaux qui font parler de jumeaux? Non, la première fois. Et alors, ça fait quoi? Comment vous les avez trouvés? C'est mignon, non? Tout mignon, tout mimi. Bonjour Michel, vous avez 52 ans, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Bravo, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Oui. Bernard, vous avez également 4 enfants, vous êtes également marié. Voilà, oui. Tout pareil, hein? Pareil. Et voilà, vous êtes donc ventriloque et magicien ensemble. Tous les deux, oui. Il n'y a pas des soirs où vous en avez ras-le-bol d'être ensemble? Ça dépend. Oui. Non, toi, tu fais comme l'autre, tu te tais. Si, si, moi non, j'aimerais bien entendre les Valentins, parce qu'on dit toujours que la vérité sort de la bouche des Valentins. C'est la connu, donc. Qu'est-ce que vous en pensez, Valentin? Il n'y a, pas des jours où vous en avez ras-le-bol de. Si, moi je change. De temps en temps, j'ai travaillé avec lui. Et alors, il est mieux? Hein, oui, des fois, oui. Ils sont comment, Michel et Bernard? Oh, ils sont terribles. Terribles? Ouais. Pire que nous. Pire que... C'est quoi pire? Ben, nous, on est des sages. Oui. Et eux? Un totrinat. Oui, c'est vrai qu'on descend. Hein. Anna, vous avez envie de demander quelque chose en particulier à Michel et Bernard?
Non, j'ai juste remarqué une chose, c'est que à chaque fois, surtout chez les filles, souvent quand l'une s'arrête, ne trouve pas réellement ses mots, il y a tout de suite le regard, elle se regarde tout de suite, et finalement l'autre prend la relève. Mmh. Et ça, je trouve ça super beau. J'ai aussi noté ça dans le premier couple de jumeaux. C'est vraiment. Bah, vous verrez tout à l'heure, on va recevoir des chanteuses jumelles et vous verrez aussi si c'est comme ça que ça se passe. Et vous remarquez qu'ils sont tous à peu près assis pareils, sauf Jérôme et Gilles qui ont décidé de ne pas faire comme les autres aujourd'hui. Mais bon, c'est leur choix, tant pis. Nos prochains invités, vous allez le voir, eux sont rapport, ils sont jumeaux. Je vous demande d'accueillir Hassan et Houssen qui vont interpréter une de leurs chansons sur la gémelléité. C'est mon choix. Un. Ouais, deux, ouais, écoute ça, Hassan, Houssen, Hassan, gros. Ouais, jumeaux pour la vie, jumeaux pour ouais. La vie. Un, deux, trois. Après 8 mois et des poussières à l'étroit, dans le ventre de notre mère, le 16-07, 75 à la boisière, le premier à sortir, c'est toi. Premier à prendre l'air, j'ai pris tout mon temps, je voulais encore rester au chaud dedans. Laisse-moi commencer ce morceau par remerciement. Garde de jumeaux, c'est deux fois plus de boulot. Maintenant que je suis grand, je comprends. Grandir à max d'eau, c'est pas évident, c'est pas toujours marrant, c'est dur souvent. On a voulu nous séparer, on est resté soudés comme deux aimants. Dans les cours de récré, les squares ou les rues du quartier, tout le monde savait. Qu'il fallait se méfier du double impact. Moi, je suis lui, car lui, c'est moi. Et moi, c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui, c'est moi. Et moi, c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui, c'est moi. Et moi, c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui, c'est moi. Et moi, c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Quand je vois mon reflet, j'ai l'impression de voir le reflet de ma personne dans un miroir. Tu peux pas savoir comment ça fait. Bizarre. On est jumeaux pour la vie, mec, c'est mon meilleur ami. Hassan Houssen. Hassan Houssen. Jumeaux pour la vie. Hassan Houssen, c'est vous qui avez écrit cette chanson? Ouais. Alors ça, c'est vraiment votre vie, hein. C'est, comme ouais. Vous disiez dans la chanson tout à l'heure que c'était votre doublure que vous voyez. C'est difficile de voir sa doublure tous les jours? Non, c'est agréable. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez dans l'autre, hein, qui est vous, en fait? Je vois beaucoup de choses. On se voit des fois, par exemple, s'il met une sale sape, je sais déjà qu'elle m'ira pas. Ah oui, comme ça, vous lui dites de changer. Ça, évite de l'acheter. Et alors, vous disiez aussi dans la chanson qu'il faut se méfier aussi de vous. Hein? Des fois, les gens se méfient. Les filles, elles doivent se méfier de tous les deux? Vous qui avez 25 ans, qui êtes célibataire? Oui. Oui. Vous avez deux, trois anecdotes à nous raconter là-dessus? Ouais, j'ai des anecdotes, mais... Mais bon... C'est un peu comme leur histoire, ouais. Des jumeaux là-bas, mais... C'est pas racontable. Bon, à l'heure où ça passe, l'émission, ouais. C'est pas... Ah, il vaut mieux pas. Donc vous êtes allé un petit peu plus loin, si je comprends ouais, bien. On est parti loin, non, on va loin. On va toujours... On donne toujours tout, quoi. Vous avez entendu la réaction d'Anna, hein. Méfiez-vous, parce que les filles, des fois, ça se laisse pas faire à la sortie. Non, je sais. Comme celui-là. Hein? Comme celui-là, c'est pas mal. Dans toute la chanson, vous expliquez qu'en fait, c'est bien d'être deux. En quoi c'est un atout d'être jumeau? Un atout d'être jumeau, je sais pas, c'est un compagnon pour la vie. Ouais. Pas besoin de chercher d'amis ou je sais pas. Michel, tu es toujours accompagné. Il y a toujours quelqu'un avec toi. Tu peux toujours parler avec quelqu'un. T'es toujours écouté. Voilà, t'es toujours écouté. Et voilà. À l'école, au lycée, ça se passe comment? Ça se passait comment? Bon, c'était nous, dur. Nous, on nous a séparés de classe, nous, directement. C'est vrai? Ah, c'était dur. Hein. C'était trop compliqué pour eux, je pense, à gérer. À gérer. Pourquoi un déjà, dur. Mais alors deux, bonjour. Voilà, quoi. On est assez perturbés. Comment ça se passait? Perturbateurs, on c'est était, vrai nous. On changeait les classes, on s'amusait, on faisait un peu le bordel. Donc, nous ont même mis après loin, école et tout. Ils nous ont séparation de ville. Voilà, quoi. Ah ouais. Mais bon. Vous avez fait des bonnes blagues comme ça parce que vous étiez jumeaux? Ah. Si je dois prendre une photo pour ma pièce d'identité qui est là, eh ben en vrai, si vous regardez bien, c'était pas moi, c'était mon frère. Ah. On en prend quatre. Si, on en prend quatre, si, ça nous si par exemple, pour un backstage et tout, on avait besoin de photos pour rentrer, comme à La Rochelle, au Festival de La Rochelle, il y en a un qui prend la photo, c'est plus rapide. Que des trucs comme ça. Ça suffit. Mm-hmm. Changement de classe, bon ça, tous les jeunes, ils ont dû faire ça, étant jumeaux. Changement de jeunes jumeaux. Ça, c'est vous avez comment ça, changement de classe, vous avez fait quoi?
Non, on a lui, changé. Il va voir mon prof, moi je vais voir la sienne. Ou soit dans ma classe, ou dans sa classe. Et des fois, on s'embêtait alors, on allait dans la classe de l'autre pour voir si c'était mieux. Et les profs, vous voyez que du feu? Non, quand on était petit, on était. Ah, quand on était petit, on se ressemblait vénère encore plus que ça. Parce que là, c'est vrai que c'est moins flagrant. Avec les mêmes salopettes, les mêmes baskets à scratch et tout. Anna, un petit mot sur nos rappeurs jumeaux. Elle est ravissante, hein, la Miss. Elle est jolie, Miss, c'est mon choix. C'est mon choix. Peut-être une petite question, c'est le fait donc d'être frères jumeaux. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous faites tout ensemble. Mais tout à l'heure, dans la chanson, vous avez dit « c'est mon meilleur ami ». Est-ce que justement, en tant que jumeaux, vous êtes non-stop tout le temps ensemble, vous n'avez pas envie d'avoir un avis extérieur, un ami, je veux dire, extérieur, qui puisse donner un autre point de vue que si vraiment... Je ne sais pas si c'est utile, un ami extérieur. Parce que ça ramène, on se comprend bien, ça ramène la discorde dans notre ambiance. Même quand on se prend la tête, comme on dit, on trouve toujours une solution. S'il y aurait quelqu'un d'autre, peut-être il envenimerait les choses. Ça irait plus loin. Ça irait plus loin. Mais à un moment donné, on doit se lasser, en toute honnêteté. Être 24 heures sur 24 avec... Oui, oui, je présume, oui, ça je vois. C'est quand même quelqu'un... On a partagé 9 mois ensemble. Vous avez remarqué qu'il parle en même temps. Oui, oui, c'est vrai, exact. Mais il se regarde tout le temps. On est frères jumeaux, c'est un peu... Ça doit être dur de pénétrer au sein d'un couple de jumeaux, hein. Oui, vous en pensez à une fille. Demandez ça aux meufs, oui. Les meufs. Elles peuvent vous dire, les meufs, c'est dur de séparer deux jumeaux. On ne sépare pas de jumeaux. En plus, elles doivent plaire aux deux, en plus. Il faut pas, non seulement oui, plaire ils ont à les un, mêmes mais, goûts, justement. Mais aux deux, sinon, ça se passe mal. Qui te plaît ici? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que tu as dit que Miss France, elle était jolie. Ouais, c'est vrai, c'est pas Miss comme France, ça, je veux dire si j'ai les mêmes goûts que toi. Miss Mon Choix. Oh, excusez-moi, pardon. Excuse-moi. Miss France, elle aurait pas posé une bonne question. Non, mais t'es tellement belle que... On peut se tromper, hein. T'as vu? Non, on vous donnera ses coordonnées. Hein. Vous en ferez ce que vous voudrez après, Anna. Ah bon, on y va. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir nos deux prochaines invitées. Il s'agit de chanteuses et il s'agit de Noémie et de Cécile. Vous vivez en concubinage? Tout à fait. Et vous êtes juriste? Absolument. Donc là, pas le même métier. Anna, un petit mot de commentaire sur nos chanteuses jumelles? Non, toujours cette complicité qui revient, toujours ce regard. C'est, ça sent très, c'est fort, très hein. Joli. Oui, oui, absolument. Alors, nous allons découvrir à présent nos prochains invités. Ils ont 7 ans et demi. Et 7 ans et demi, ils vont nous faire un numéro d'acrobate. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Charles et Alexandre. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Oui. Oui, vous pouvez aller vous asseoir. Merci Charles et Alexandre. Charles et Alexandre, c'est pas n'importe qui parce qu'ils font partie du cirque Grus et ce sont les arrière-petits-enfants d'Alexis Grus qu'on salue bien sûr. C'est ça, hein? Sixième génération de Grus, des jumeaux maintenant. Depuis combien de temps vous faites des acrobaties tous les deux? Depuis qu'on a 5 ans. 5 ans? Déjà 2 ans et demi? Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire des acrobaties ensemble? Parce que ça nous donne du courage. Du courage? On est plus courageux quand on est à deux? Oui. Tout seul, tu aurais peur? Non. Non? Mais c'est mieux à deux avec ton frère. Les Valentins, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de nos petits acrobates? Ah, gâteau, ils vont nous copier, hein. Pardon? Ils sont aussi souples que nous. Ah ben ça, ah vous oui, savez hein. Le faire aussi? Ah non, non. Hey, j'ai 30 ans, moi. Ils ont le temps, alors. Ouais, depuis quand? Depuis hier. Ah. Charles et Alexandre, vous aimez bien les Valentins? Oui. Ils sont chouettes, hein? Ils sont jumeaux comme vous. Ouais. Hein? Vous voulez continuer à faire du cirque ensemble? Oui. Oui? Pour tout le temps? Oui. Oui? Bon. Alors, nos prochains invités vont faire une démonstration de hip-hop. Merci d'accueillir Christophe et Kane.
Vous asseoir, hein. Vous avez bien mérité. Qu'est-ce que vous disiez, Anna ? Je disais que c'était mignon. C'est vrai, ça ? Ils ont la même expression quand ils dansent. Oui, exact. Le même sourire. Hein. Christophe et Kane, 22 ans, tous les deux célibataires. Pour qui vous avez dansé vous dansez pour des chanteurs, c'est ça ? Disons qu'on fait beaucoup de plans ponctuels avec des chanteurs, des comédies musicales, etc. Mm-hmm. Excusez-moi, je suis un peu... Essoufflé, c'est un peu normal, hein. Vous avez fait un peu d'exercice. Disons qu'on se focalise beaucoup sur les plans ponctuels, mm-hmm. dans le sens où on est encore dans les études, voilà. Et pourquoi est-ce que vous voulez faire carrière ensemble ? Bah, tout d'abord, c'est une facilité. Hein. Dans la danse, on cherche souvent l'uniformité, et donc le fait qu'on ait la même morphologie et le même corporel, c'est intéressant. Ça aide. Ça aide beaucoup, oui. Mm-hmm. En quoi c'est un atout Bon, vous nous avez expliqué que c'était un atout pour danser, mais en quoi c'est un atout pour les autres, pour faire carrière, le fait d'être jumeaux ? Vous pensez que c'est plus facile de se vendre à deux que tout seul ? Bah, disons que le fait qu'on soit jumeaux, c'est une double force sur scène. Et nous, on veut faire carrière à deux parce que depuis qu'on est petits, on travaille ensemble, on a beaucoup d'affinités et on s'entend très très bien en tant que jumeaux. Et en fait, on ne s'est pas posé la question si on voulait faire une carrière ensemble. C'est en fait, ça s'est fait petit à petit. Mm-hmm. Et bah, là, on est ensemble, on fait beaucoup de trucs ensemble et c'est naturel. C'est bien parce que ça se fait naturellement. Voilà, exactement, c'est ça. Ce que je tenais à ajouter, donc, parce que bon, depuis tout à l'heure, on a à peu près le même discours, donc c'est la vérité. Donc quand on est jumeaux, on a plus de facilité, mais bon, faut savoir que si on est bon, on a deux fois plus de chances d'être pris, si on est mauvais, on a deux fois plus de chances d'être calé, donc voilà quoi. Il faut parier sur le succès. Dans votre vie quotidienne, est-ce qu'il vous est arrivé des anecdotes un peu marrantes, un peu sympas par rapport à votre gémellité ? Bah, dans la vie quotidienne... une fois, mon frère jumeau s'est pris une gifle par un prof parce que j'avais fait des petites bêtises. C'était vous qui avez fait la bêtise. Et alors, comment vous avez réagi ? Bah, il s'est pris la gifle et moi. Voilà. Après, je lui ai remis quoi. En fait. C'est vrai. Et sinon, dans la danse, souvent dans les castings, je me présente, je fais mon casting. Mon frère, il passe tout de suite après et là, c'est non, vous êtes déjà passé là, non, c'est pas bon là. Bah, c'est mon frère jumeau. Ah, super. Voilà. Et vous, avec les filles, ça s'est passé comment ? Vous, avec les filles, vous faites des trucs un peu... Non, on est honnête par rapport à ça. Ah. C'est sûr ? Sûr. 100% ? 99. Ah. 100%, 100%. Bon, le pourcent qui reste, c'est on n'en parlera pas, n'est-ce pas, Anna ? Non, vaut mieux pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la démonstration de Christophe et de Kane ? Ben en fait, moi, j'ai juste une petite question à poser. C'est, d'un point de vue aptitude, est-ce que vous avez exactement les mêmes ou est-ce qu'une personne sait faire des choses que l'autre n'arrive pas à faire ? Disons que c'est vrai qu'on s'est... Tu veux parler ? Vas-y. Disons que c'est vrai qu'on s'est axé sur des formes différentes.
dans le sens où on est jumeaux par l'apparence, mais on voulait avoir notre propre style dans la danse. Donc on a des styles qui divergent et bah voilà quoi. On se complète en fait, c'est ça. Mm-hmm. Bon, en tout cas, vous complétez bien. Allez Anna, le temps est arrivé de travailler puisque maintenant notre public présidé par Anna va devoir voter pour les jumeaux, les jumelles ou les triplés qui vous ont le plus convaincu. Ne nous dites rien Anna pour l'instant, mais vous savez que c'est à vous de voter. Et pour connaître le résultat de ce vote pour nos meilleurs jumeaux triplés, eh bien, j'appelle tout de suite Sophie, notre hôtesse. Sophie. Vous avez vos fans, Sophie, maintenant. Hein. Alors, Sophie, vous connaissez les résultats. Je suppose qu'ils sont dans cette enveloppe. Tout à fait. Alors, Anna, hein, on va peut-être là. Allez, surprise. Ouvrez. Merci. Donc cette enveloppe. Ça, c'est décisif. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous refusez que votre femme travaille, si malgré l'amour que vous lui portiez, vous avez quitté votre conjoint car il vous faisait une vie impossible, si vous n'avez pas eu la même éducation que vos frères et que vous en souffrez, enfin si vous trouvez difficile d'élever un enfant surdoué, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Ça, c'est décisif. C'est qui? Ah. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Il s'agit de Christophe et Ken, nos jumeaux qui font du hip-hop. Venez tous les deux. Christophe et Ken, venez, venez, venez. Alors, un petit mot. Un micro pour deux, ça devrait suffire. Je sais pas si on m'entend. Bah, oui, je vois que tout le monde aime danser, donc voilà, ça fait plaisir. Ah, le public de C'est mon choix adore ça. Alors, un petit diplôme. Allez, Anna, hein, votre premier diplôme à remettre à nos jumeaux. Regardez comme il est joli, diplôme de C'est mon choix. Voilà, vous le garderez, vous l'encadrerez chez vous. Et oui, le bisou, bien sûr, le bisou de Miss C'est mon choix, enfin. Oh. Miss C'est mon choix passe son temps à faire des bises, il n'y a pas de raison. Une petite démonstration, les garçons. Allez, c'est parti pour notre plus grand plaisir, on y va. Merci à tous, merci d'avoir participé à